Salut à tous, c'est X. nombreux l'attendaient, voici les amis la deuxième vidéo 10 extraordinaires cartes Pokémon Ultra Art. J'espère tout de même que vous avez la pêche car ça va envoyer du lourd avec 10 merveilles de cartes de rêve que je vais vous présenter euh, qui en fait sont des cartes créées à l'aide de logiciels et montées par des euh, artistes fans de Pokémon comme nous. Euh, donc euh, malheureusement elles n'ont jamais été éditées et ne le seront jamais euh, par Pokémon Company, mais elles sont tout de même hyper belles et valent vraiment le coup d'œil. En plus à l'occasion, je vous fais un concours qui vous fera grave plaisir à mon avis. Donc il y aura un gagnant qui repartira avec un gros lot de deux boosters XY et un booster XY3. 9 furieux, neuf français scellés. Voilà donc vraiment pas mal du tout et c'est pas tout. Deux y XY, un booster xy 3.fu et la carte euh, ultra rare que vous préférez sur les 10 que je vais vous présenter. Voilà, donc c'est simple, pour participer, il faut être abonné ou s'abonner à ma chaîne YouTube. Il faut laisser un j'aime à cette vidéo. Et enfin euh, mettez en commentaire, laissez un commentaire en me disant que vous participez avec votre ultra rare préféré sur les 10 que je vais vous montrer. Voilà, sinon sachez que la plupart de mes ventes sont sur mon eBay, euh, elles ont été mises à jour, donc vraiment allez voir, il y a plein d'autres cartes, des ultra rares, des boosters, euh, le lien est juste dans la description, juste en dessous. Enfin, pour ceux qui avaient participé au concours de la première vidéo qui avait été pas mal vu avec le Primo Kyok X Full Art euh, donc de 10 cartes extraordinaires. Euh, le, nombre, le, le nom du gagnant est dans la description de cette vidéo et puis pour ceux qui n'ont pas encore d'ailleurs vu cette première vidéo je vous la recommande euh, vraiment le lien s'affiche en ce moment comme je vous l'ai dit il y a la présentation d'un sublime euh, primo ix full, euh, full art ouais c'est ça allez sans plus tarder on va s'attaquer 10 extraordinaires cartes de cette vidéo et on commence les amis attention avec du très très lourd le dieu des Pokémon Arceus IX Full Art waouh 180 PV avec 100 d'attaque avec Meteor Blast, donc évidemment ce sont des cartes créées par des Américains donc elles sont en anglaise euh, le logo est indéfini donc là on peut voir qu'ils l'ont fait avec un espèce de de type inexistant euh, normal je trouve que voilà ça fait un espèce de, de type dieu on va dire là il est au milieu de la galaxie euh, avec toutes les étoiles autour de lui tellement tellement classe. Ouais, je l'adore avec le petit vert, la petite planète dans le fond. Arceus IX foulard. Il envoie du hyper lourd. Ensuite, on a le tout mignon. Regardez-moi ça. J'ai trouvé ça un carapuce foulard les amis. Waouh, il est pas trop beau avec le fond bleu, le petit clin d'œil, je le kiffe. Il est super super mignon. Bon, il a que 40 PV hein, mais euh, hyper mignon comme carte. Dommage, j'en ai pas trouvé euh, pour Bulle Bizarre ni Salamèche, mais en tout cas euh, Carapuce super mignon. Voilà, après on passe euh, à un autre Arceus Foulard. Art, celui-là Sabrina. Donc c'est des cartes qu'on pouvait trouver, euh, les cartes dans, dans, dans ce style-là, certains doivent connaître, les plus anciens. C'est des cartes qu'on trouvait dans le bloc Wizard. Donc voilà. Euh, là, ils en ont refait une avec un Pokémon récent de la cinquième génération, le dieu Arceus. Celui-là aussi, très très classe. Perso, entre les deux Arceus, je préfère quand même la, la IX Full Art. Mais il faut avouer que celle-là, elle envoie du très très loin. Ouais, honnêtement, en Full Art comme ça, elle est. Dommage, dommage. Hein. Dommage qu'elle n'existe pas. Mais bon, faut pas rêver. En tout cas, elle est hyper jolie. Allez, on passe à un petit Shiny secrète, euh, Florizar Shiny. Donc, euh, je sais pas si vous vous rappelez, euh, dans Tempête Plasma, on avait eu le Dracofeu. Chez Glacier sur Plasma, le Tortank. Ils avaient jamais sorti de Florizard. Et bah, le voici, les amis. Hyper classe. Donc, là, bon, bah, c'est une carte promo, évidemment, hein, mais c'est une carte jamais éditée. C'est vraiment dommage. Euh, on a eu la, la Tortank secrète et le Dracofeu, mais jamais le Florizard. Le voici, très très beau. Hop. Ensuite, on a un euh, Regirock IX, sympa, sympa le Regirock. Voilà, pas mal du tout avec la petite tempête de sable autour de lui. On dirait qu'il est activé là avec 180 PV tout de même, euh, avec une attaque lame de rock. Voilà, très sympa. Puis ensuite, le mythique les amis Groudon IX Full Art. Alors lui, il est vraiment super, super classe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il en voit vraiment une très très lourde. Il me fait énormément penser à euh, l'AIX Art qu'on pouvait trouver chez Explorateur Obscur. Certains d'entre vous euh, s'en rappellent. Mais euh, s'il nous éditait, je sais qu'il y a Ruby euh, Rosa, les séries Rosa en japonaise qui vont sortir pour euh, décembre et peut-être euh, vers euh, janvier-février. Ce euh, sera après Vigueur Spectral. Donc vers janvier-février, on aura les, euh, les XY. 5 je crois et j'espère qu'ils vont nous rééditer des Primo Groudon IX et des Groudon IX Full Art aussi beau que celui-ci hein. comme vous pouvez voir 170 PV 70 plus attaque il, il, il est vraiment très très beau avec les bords dorés et tout c'est sublime voilà mon EX préféré sûrement des 10 cartes que je vous présente aujourd'hui Zekrom euh, donc ça c'est l'illustration qu'on pourrait retrouver euh, sur les boosters destinés futurs voilà donc euh Très très belle carte, dommage qu'il n'ait pas faite celle-là non plus, mais ils avaient fait quand même du bon boulot avec euh, les écrans, je m'en rappelle, dans les tin box et la série des futurs. En tout cas avec euh, le tonnerre et tout, super super belle carte. Allez, on passe au petit Karchakrok IX, un Pokémon Petit Dragon, j'adore ça, ce sont un de mes préférés, un de mes types préférés. Donc euh, voilà, très fan de cette carte, le orange, j'adore ça. Donc une carte très très stylée. Pas mal, pas mal. Allez on passe aux deux cartes Mega EX les amis Tout d'abord des Mega EX en fait de Pokémon Qui n'existeront peut-être pas, en tout cas C'est des spéculations Mega Milobellus EX secrète Regardez-moi cette beauté Avec les bords dorés 150 d'attaque, le Milobellus 230 PV Donc bien évidemment Mega Milobellus euh, C'est une spéculation On ne sait pas encore s'ils vont en sortir hein. En tout cas ça serait tellement classe Vu l'allure la, de cette carte, l'envergure qu'elle a Waouh, c'est vraiment épique. Hein. Une de... Je pense que c'est ma préférée euh, sur toute cette ouverture. Je vous dirai ça après, je vais ré-vérifier. Mais waouh, wow. Très très classe. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, il faudra me dire pour le concours la carte que vous préférez. Mais c'est pas fini, les gens. C'est pas fini. Comme la pub SFR. Et là, on a un méga Mew EX. Voilà, le Pokémon le type fait. Waouh, ça serait... Bon, évidemment, lui aussi. Il n'existe pas. Mega n'existe pas. On a des Mega Mew 2X. On a des Mega Mew 2Y. Mais Mega Mew, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. On ne sait pas si ça va exister un jour ou un autre. En tout cas si ça existe et il ressemble à ça. On dirait un espèce de, de marshmallow. Waouh, wow, Trop stylé avec derrière. Euh, on, on dirait un espèce de truc d'ADN. Donc euh, 190 PV quand même. Euh, là on peut voir une attaque. Euh, qui, où il lui faudrait toutes les énergies. Quelle bête de carte. Honnêtement celui qui l'a réalisé. Bravo hein, parce que les super stylés avec la petite euh, écriture japonaise ou chinoise, je ne sais pas, je crois que c'est plus du chinois ça. Euh, bon bah les connaisseurs reconnaîtront en tout cas. Waouh, super belle carte. Voilà, c'était tout. Euh, 10 magnifiques cartes. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de participer au concours. Moi, comme je vous ai dit, j'adore le Carapuce. Euh, et puis ensuite, j'adore les deux EX Mais si je devais choisir choisirait sûrement le méga-milobellus. Ix. voilà voilà. Allez, n'oubliez comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de participer au concours, euh, allez checker la description pour revoir les modalités. Et puis aussi dans la description, vous retrouvez le lien de mes ventibés avec plein de euh, boosters XY, XY, 3 points furieux, étincelles, euh, des lots de cartes, des lots complets de série. Il euh, y a aussi des cartes ultra à limitées, donc il y a pas mal de choses. Allez voir mes ventibés qui sont dans la description. Allez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Ciao les gens